Salut à vous, mon petit tacule, spécial vidéo du dimanche, un petit peu border à l'arrache comme d'hab. Encore pire, j'ai eu une semaine de foufou, mais hop, je vous raconte ça après. Donc déjà, bah, merci à tous les soutiens financiers, merci à vous quand même, grâce à vous je bouffe mes pâtes, littéralement. Et bah, surtout aussi, merci à hein, tous les petits messages, parce que bah, ça aussi, ça soutient quand même vachement, vachement. Parce que bon, bah, c'est pas le soutien financier qui me permet de vivre, même s'il aide beaucoup. Et enfin voilà, ça fait deux béquilles, hein. Honnêtement, le soutien moral, ça aide vachement. Putain, qu'est-ce que je raconte déjà, n'importe quoi. On s'en fout. Voilà, donc merci à tous. Et je ne m'étalerai pas plus. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo? On va voir deux financements participatifs que je trouve qu'il y a des choses à dire. Après, on va faire un petit retour voilà, sur moi, projet, machin, synthétique, bidule, qui nous amènera en transition sur je teste Against the Dark Master. J'ai un peu souffert, c'est pas des règles pour moi, mais voilà, mais pour vous, j'étais prêt à tout. Et puis on va faire un petit retour de partie, tout simplement. Voilà. Alors, commençons par le commencement. Arc Doom, c'est chez Pattern Recog, ou Korg, je sais jamais le prononcer. C'est à 34,90 là, le financement en ce moment. Il y a des offres solidaires, on reviendra un peu dessus dès qu'on aura fini de présenter le jeu, en fait, c'est quand même ça qui nous intéresse le plus à la base. C'est pareil, ouais, dans les trucs genre. Il faut le dire, mais en fait, on s'en fout, ça change pas le livre ce qu'il est. C'est un jeu de rôle fait par une autrice, et c'est une Philippine. Enfin, voilà, c'est un jeu de rôle philippin, donc. Et puis, il a gagné plein de prix, il a cartonné à l'international des gens indés, et bah, c'est traduit donc chez nous par Pattern. Et puis voilà, puis tout ça, en fait, bon, c'est bien pour l'habillage, mais voilà, ça te dit pas qu'est-ce qu'il y a dans le jeu. Le jeu va être compliqué à expliquer pour la simple et bonne raison qu'il est adaptable à peu près à tous les univers. Et puis voilà. Donc ça vous aide pas. Donc qu'est-ce que c'est? En fait, on va te proposer de jouer une fin du monde. Et par là, il faut l'entendre métaphoriquement. Donc ça peut être littéralement de jouer une apocalypse voilà, dans un univers de jeu que vous aimez bien. Tout comme ça peut être jouer la fin d'une époque, la fin d'une relation. Voilà, par monde, on entend déjà bien qu'est-ce que les personnages vont considérer comme le monde. Déjà là, on est un petit peu sûr. Et pourquoi bah, moi, j'ai été tout hypé? Bah, déjà parce que je le trouve beau, hein, déjà, en fait. J'ai bien aimé. Puis parce que je trouve que c'est une très bonne fusion. On commence à arriver sur la pointe des jeux Next Generation qui ont dépassé. Le côté ouais, narrativo-végan, machin, versus jeu à règles, machin. Je trouve qu'on a une bonne fusion et un bon équilibre entre ben, en fait, un jeu à règles avec le tip-top bien de ce qui était de l'inspiration de jeu végan. Voilà. Et selon moi, on est quand même vachement dans peut-être une forme future de ce qui va être le jeu de rôle. Voilà, où c'est moins léger qu'un jeu narrativo-végan avec pas de règles. Mais c'est moins lourd voilà, qu'un jeu avec plein de règles. Ouais, beaucoup moins, beaucoup, beaucoup moins. Mais ces règles, c'est pas des règles, tu jettes un D6, puis on verra. Moi, j'aime bien le tu jettes un D6, puis on verra. Mais parce que je suis un gros H. Dans le level des à la one again narrative ou vegan, je me place ouais, dans les extrêmes du curseur. Il y a pire que moi, mais bon. Donc voilà, pour moi, il y a quand même voilà, un bon. Il y a du bon niveau de points de vie. Enfin, d'ailleurs, c'est pas des points de vie, c'est des petites cages que tu coches. Enfin, il y a de la règle, voilà, il y a de la règle. Tu vas même pouvoir choisir, par exemple, quand tu fais un test, en fait, en choisissant le langue d'attaque du texte, du test 1, 2, 3, du comment tu vas faire, bah, ça va conditionner ton jet. Ce qui semble tout con, mais enfin, qui a déjà été vu dans plein de jeux, mais justement, enfin, je trouve que ça garde le bien de ce qui a été fait avant par certains jeux réglistes. On va pas t'imposer, genre, un test de perception. Tu vas gérer en fonction de comment tu approches le problème. On va t'imposer un test par le guide, pas le meneur, mais le guide. Mais voilà, t'as quand même des règles en fait qui te cadrent bien, sans être étouffante. J'ai envie de commencer aussi par ça. En fait, voilà, je trouve que ça s'adresse pour les collectionneurs, les amateurs d'indé et les narrativo-vegan qui aiment bien quand même la règle, les comme moi. Et puis en fait, j'ai pas besoin de vous baratiner plus que ça. Il y a un PDF, il faut que je le mette en dessous, gratos sur Drive-Thru. Avec 19 pages pour vous donner une idée de c'est quoi en fait. Donc voilà, on n'est pas sur le kit de démo payant, on est sur le kit de démo gratuit qui va déjà te donner, bah, selon moi, pas assez. Parce que le bouquin est quand même nettement plus épais, hein, s'il ne fait pas 19 pages, mais au moins tu vas te donner une idée que tu n'es pas dans un système à la One Again où il n'y a rien. Voilà, ça va te prendre en fait un bon goût de ça va être quoi ce jeu.
Donc en fait, bah après, tu vois tout simplement si tu as envie de le prendre ou si tu te dis, c'est pas du tout pour moi. Voilà, moi j'ai pas de part, j'ai pas de terre, mon but c'est pas de vendre leur truc. Donc, par contre, ouais, j'avoue, c'est un petit coup de cœur. Donc, mon but c'est quand même de vous faire télécharger ce PDF gratos pour que vous jetiez un coup d'œil. Après, ouais, si vous êtes juste amateur des règles ultra développées dans un univers dark, mais pas trop du tout poétique, voilà, parce que là, le côté fin du monde, il est un peu abordé avec une. Avec, voilà, avec de la sensibilité. Après, bon, tu joues comme tu veux, hein, t'as le moteur de jeu qui fait que tu fais n'importe si tu veux. Mais ça se sent dans les illustrations, ça se sent dans l'intention de l'autrice. Voilà, il y a quelque chose, y a quelque chose d'un peu psychologique, poétique, beau. Ça n'empêche pas que tu peux aller tuer des gobes, t'as des gobes à tuer dans le bestiaire. Mais voilà. Alors, le bestiaire, il y a que trois exemples de bestioles, mais elles sont très sympas. Ça fait penser un peu, dans sa simplicité, à quel point c'est ramassé à du Grumpf. Non mais, là les refs, c'est pas des refs de bâtard, hein, je veux dire. La madame, je comprends qu'elle est cartonnée à l'international, hein. Moi je la vois en salon, je vais faire la carpette pour avoir une dédicace, t'es là, mange-merde. Bon, enfin c'est autre chose. Mais ouais, je trouve que c'est vraiment, c'est un côté ramassé sur les règles, hein, un côté ramassé sur comment ça va t'expliquer les trucs, qui montre une grande maîtrise. Ça ne m'étonne pas du tout que ça a remporté des prix, parce que ça vaut le coup. Et puis on a la chance de l'avoir pas en rosbif, ça serait dommage de passer à côté. Voilà, donc vraiment, collectionneur, amateur d'indé, déjà rien que pour ça, vous avez un petit objet là qui est pour vous. Pour les collectionneurs même qui crachent sur le narratif au vegan, là on est sur la pointe des jeux next gen, hein. Un peu comme voilà, quand on était jeune, il y avait Vampire qui est arrivé, genre oh, je révolutionne. Maintenant, tout ce qui était de la révolution vampire, c'est devenu des vieux trucs, et ça a fusionné dans les jeux même qu'on va classer jeux à règles. Voilà. Alors que bon, pour l'époque, vampire, c'était truc très roleplay, machin, comparé à toutes les nouvelles branches qu'on a eues, enfin voilà, l'Europe du Nord et du machin, c'est ultra lourdingue niveau système. Même si à son époque, enfin voilà, faut remettre en perspective. Et tout ça pour dire que je trouve, ouais, c'est ça. On est sur le point de basculement, on commence à avoir des propositions qui ont intégré le narratif au vegan, sans renier le jeu de rôle qui aime des règles. Voilà. Donc, non, mais moi je trouve que c'est une très très belle et une très bonne surprise. Et puis qu'est-ce que. Ah voilà, pas que j'oublie. Enfin voilà, vous avez juste un PDF à cliquer, donc j'arrête de faire mon représentant de tapis. Voilà, le seul truc que j'ai envie de vous inciter, c'est collectionneur, amateur indé. Narrative au vegan, allez cliquer sur ce PDF et puis après vous voyez tout seul. Après faites ce que vous voulez. Le petit truc qu'ils ont fait aussi de sympa qu'on aimerait voir plus souvent, ils ont fait une offre solidaire où si tu rajoutes deux boules à t'as des offres, tu rajoutes deux boules à ta commande, t'offres un PDF. Et puis si tu rajoutes 10 boules, t'offres un bouquin. En fait, donc tu as ton bouquin à 34,90 et si tu payes 44,90, ben, en fait toi tu vas recevoir ton livre. Il y a un livre qui va être envoyé, ils ont appelé des organismes machin. Ben voilà, pour, je pense que ça va être des MJC, des écoles, ce genre de trucs, peut-être plus des MJC, voilà, pour partager du jeu de rôle avec des endroits qui n'ont pas les moyens de se les payer, pour promouvoir le jeu de rôle. Enfin, voilà, cet aspect solidaire, j'ai trouvé très sympa, et il justifie bien les 10 euros. Enfin, c'est les frais de port, c'est payer la trad, payer les royalties des ayants droit, machin. Voilà, il y a 0 euro dessus qui est fait pour la boîte. Donc, enfin, ouais, j'ai trouvé ça assez classe, quoi. Ils ont vraiment 10 euros, c'est tu peux pas descendre en dessous. Voilà, c'est. Mais du coup, il n'y a pas les taxes d'impôt dessus, parce que vu que c'est un truc, je pense, mécénial, machin, ils vont être exemptés d'impôts sur les 10 boules qui sont. Parce que ça va pas être dans les marges bénéfices, je pense. Bah, j'espère pour eux, parce que sinon, en fait. Ils se tirent une balle. Enfin bon, je trouvais, voilà, c'était une très belle démarche de leur part. Enfin, de toute façon, les deux barbus de Paterne, voilà, c'est des bonhommes. D'ailleurs, enfin voilà, c'est bon. Voilà, des messieurs bien de chez nous. Donc, Ardoum, jetez un petit coup d'œil dessus si ça vous tente, parce que c'est très. Enfin, moi, j'ai été conquis. Mais c'est un truc quand même assez spécifique avec un petit côté niche, donc je ne vais pas dire que c'est pour tout le monde, être un faux-der, c'est pas pour tout le monde. Mais ceux pour qui c'est, ça serait dommage que vous passiez à côté. Voilà. Ensuite, toujours dans les petits jeux très sympathiques. Ah, faut que j'arrête de jouer avec ce truc comme un gamin. Va des rétros, le stylo. Alors, toujours dans les souscriptions du moment, on a la loot qui refait par Lidl sur les jeux pour enfants. Alors, je sais que pour certains, le jeu pour enfants, c'est une hérésie.
Moi, j'ai commencé super tôt, hein. Mes premiers jeux de rôle, c'était à la maternelle. Et sur des trucs hardcore, enfin du D&D et de l'œil noir. Donc, je trouve ça bien, en fait, cette tendance à faire des jeux plus souples et plus digestes pour les gamins. Voilà. Ah bon, après, puis à le côté aussi, bah, c'est normal que les parents, ils cherchent à partager leur passion avec les enfants, tout ça. Mais bon, hop, je m'égare. Donc, incroyable, Détective de Monstres 34,90, séché de la loot qui nous a pas habitués à faire de la merde. Hein, bon, voilà. Incroyable Détective de Monstres, en fait, le truc important à souligner, c'est que c'est pas la V2 Petit Détective de Monstres. Ça fait partie de la même collection. C'est un ouvrage qui est à la fois indépendant et complémentaire. Voilà. Et puis sinon, bah, c'est vraiment dans la même, voilà, dans la même eau. Et puis là aussi, il y a un extrait du bouquin, en fait. C'est pareil, je mettrai le lien pour le Gamel Top machin en dessous de la vidéo. Mais l'intérêt surtout, c'est que si bah, vous, ça vous titille, vous pouvez aller regarder. Donc moi, je ne suis jamais joué de gamin. Voilà, j'ai pas de gosse autour de moi à faire jouer. Mais du coup, l'autruche qui est papounet, gros rôliste, qui aime bien faire jouer ses gamins, je sais que lui, il a beaucoup aimé. Enfin, ça fait partie de ses jeux rêves pour enfants. Et moi, dans la théorie, c'est aussi un de mes jeux rêves pour enfants. Mais bon, moi, c'est dans la théorie, je l'ai pas. Voilà, je l'ai pas. Voilà. Donc en fait, je parle juste après avoir fini un bouquin. Donc c'est un avis qui compte léger. Hein. Je veux dire, faire une critique sans tester le truc, c'est toujours un peu léger. Mais d'ailleurs, tiens, pour les jeux pour enfants, hein, il y a mon Little Pony qui est très bien content. Mais là, l'autruche, il a mis la main sur Trouilleville, qui a l'air pas mal. Un petit truc à regarder à l'œil aussi. Mais bon, hop, on est là pour parler d'incroyables détectives de monstres. Et puis, bah, le financement, c'est en ce moment. Voilà, t'as les offres annexes, machin, j'ai absolument rien retenu. De toute façon, enfin, moi, je lui souhaite que du succès parce que, bah, parce que tout simplement, Petite Équipe de Monstres avait montré sa qualité. La Loutre est un éditeur qui a montré sa qualité. Hein, je veux dire, citez-moi une merde de la Loutre. Bah, il n'y en a pas. Vite fait, hein, je veux dire, ça, les boîtes faciles à soutenir, tu sais, quand elles sortent un truc. Citez-moi un truc de merdique qu'ils ont fait. Il n'y en a pas. La Loutre fait partie des éditeurs qui n'ont pas fait un seul truc merdique. Donc, en fait, voilà. Et puis là, c'est pas genre un nouveau projet où tu prends des risques. C'est voilà, c'est une extension de la gamme Petit Détective. Alors maintenant, je crois qu'ils vont juste appeler ça Détective de Monstres, avec bah, un nouvel ouvrage. Donc, en fait, si t'as Petit Détective de Monstres, tu peux y aller. Tout simplement. Ça s'adresse aux assez jeunes, quand même. Hein. Tu peux aller jusqu'à du très petit. Ah, j'ai plus les âges, c'est-à-dire les dates, les âges exactement en tête. Mais ouais, le jeu, c'est à partir de 8 ans. Parce que ouais, c'est fait aussi par. Ça peut être mené par les gosses. C'est ça qui est important. C'est pas un jeu pour enfants avec Papounet qui est derrière l'écran. C'est un jeu pour enfants, quand le gamin il a déjà joué et qu'il est un peu grand, il peut devenir MJ. Soit MJ pour d'autres gosses, soit MJ, c'est même lui qui fait jouer le daron de la famille. Bah d'ailleurs, pas que le daron, daron et mamounette. Donc ça aussi, c'est intéressant. Voilà, que le gamin il soit pas en poste inférieur à l'adulte qui est derrière le paravent. Et ça, c'est un jeu qui te le permet. Je trouve que c'est souvent une erreur dans le jeu pour enfants. Tu te retrouves avec bah, en fait, la position dominante du MJ qui est pris par le parentalement. Et Petit Détective de Monstres, il te permet d'inverser ça. Enfin, l'incroyable Détective de Monstres. Enfin, de toute façon, c'est la même gamme. Voilà. Mais bah, du coup, c'est plutôt intéressant. Hein. Donc, allez jeter un petit coup d'œil sur Incroyable Détective de Monstres. De toute façon, voilà. Vous avez l'extrait du bouquin. On a passé là justement, on avait une période où les kits de démo étaient à 10 balles parce que prix du papier, et puis parce que bah, pour faire ta pub, tu crèves déjà ton budget en fait de faire connaître ton jeu. Enfin, moi, pour les éditeurs, c'était un peu la merde. Pour les gros éditeurs, c'était jouable, mais pour les petits éditeurs, c'était quand même tendax. Et du coup, moi, je trouve cette solution de mettre des extraits, la mauvaise graine l'avait fait avec le Leto, des extraits du bouquin pour que tu te fasses une idée du bouquin. Et, mais c'est comme si tu feuilletais en magasin, quoi. Enfin, voilà. Je trouve que c'est vraiment une démarche très honnête de la part des éditeurs, parce que c'est même plus besoin de critique internet en fait. Hein. Votre critique, vous la faites vous-même. C'est sur des extraits courts, tu vois la maquette, tu vois comment c'est écrit, tu as une idée de quoi tu vas acheter. C'est vraiment, voilà, c'est très bien. Donc, Incroyable Détective de Monstres, je vais pas plus le baratiner dessus parce qu'en fait, moi j'ai pas le. Enfin voilà, j'ai pas plus que vous. Hein. Je suis allé sur Game of Table, machin. J'ai pris l'extrait, et puis voilà. Après, bah, Petit Détective de Monstres m'avait convaincu. La Loutre est un éditeur en qui j'ai quand même pas mal confiance. J'avoue, hein, il fait partie
voilà, des petits éditeurs français, mais j'en trouve qu'il a un catalogue qui commence à s'épaissir, hein, qui a de la gueule quand même. Hein. Les Portes d'Ishtar, faut réimprimer Black Shad, radio, enfin tout ça. Il y a vraiment il y a du bon chez La Loutre. Donc si vous aimez La Loutre, voilà, c'est pas une grosse prise de risque. Si vous cherchez du jeu pour, voilà, si vous êtes papounet, vous saviez pas quoi initier votre gamin et vous aviez pas envie de Mon Petit Poney, parce que Mon Petit Poney, ça a été le carton, initiez vos gamins. Petit détective de Mons, Incroyable détective de Mons, c'est une collection qui vaut bien le coup pour faire de l'initiation gosse, donc j'ai arrêté de me répéter. Et ouais, moi les dessins, les illustrations, ça m'a rappelé mon enfance à Strapi. Mais bon, on s'en fout, hein, mais voilà. Hop, ça vous fera peut-être un effet Madeleine à vous aussi. Moi, ça m'a bien madeleiné la gueule. Et qui plus est, bon, bah, du coup, j'embraye avec le sujet, mais c'est un. Voilà, je me suis vraiment dit ça, voilà, si je devais, comment dire, j'ai plus Pôle emploi et c'est la galère pour payer les pâtes. Ça fait plusieurs fois qu'il y a des gens qui me disent, mais soit MJ Pro, non pas. Pour aller se vendre au club ou machin, mais voilà, au niveau des institutions, il y a des institutions qui commencent à recruter du MJ, c'est-à-dire, bah, ça se fait, voilà. J'en ai entendu parler en Suisse, enfin, il y en a un petit peu à droite et à gauche, alors, ouais, Morty, moi, besoin d'un truc de formation, machin, puis il y a une de ses collègues qui dit, mais quoi, ton mec, c'est vieux geek, mais complètement con, faut qu'il fasse des démarches d'entreprise, parce qu'en ce moment, le jeu de rôle, en truc d'entreprise, ça a bien la classe. Avant, c'était les stages rafting, où t'envoyais tes cas de faire du rafting. Maintenant, bah, le jeu de rôle, il commence à émerger comme à remplacer les stages de machin, truc bateau. Rafting, voilà, putain, je sais plus parler. Hein. Et puis, bah, parce que c'est vrai que tout le côté apprendre à travailler ensemble sur un objectif, voilà, réussir ensemble ou échouer ensemble. Avec le jeu de rôle, t'es pas obligé que la boîte elle paye 800 boules d'assurance ou quelqu'un qui se pète la jambe. Je pense pour le coup. La compta, c'est bien aussi. Ça rentre dans le budget formation personnelle, épanouissement personnel. Mais ça coûte moins cher qu'aller payer l'hôtel et puis les assurances pour le rafting. Voilà, ça se fait dans les locaux. Ça permet aussi de faire ce qu'on appelle les psychologies à l'américaine. C'est-à-dire, au lieu de chercher les problèmes, tu fais une mise en situation où les gens en fait sont obligés de collaborer pour avoir de la réussite. Donc, t'es pas sur une équipe dysfonctionnelle ou. Voilà, où tu vas aller faire 100 heures d'analyse de la pratique pour voir qu'est-ce qui va pas. Tu es dans le quelqu'un qui vient et qui les lead dans une situation où ils sont obligés de faire paix ou parce qu'ils sont trop cons pour faire paix des choix ensemble. Ça fait un peu épreuve du feu. Enfin voilà, ça se développe pas mal. Et justement, Incroyable détective de monstres, c'est pour ça en fait que j'y ai repensé. Hein. Et ben, enfin, voilà, je ferai ce genre de truc. Et je demanderai à la loutre le droit de les utiliser en école. Je pense que voilà, tu peux leur vendre du Mon Petit Poney, t'accrocheras peut-être plus les gamins. Mais en termes d'outils pédagogiques qui est très sécure, qui permet justement de mettre les gamins dans des positions simples d'exploration, de mini-enquête, de réflexion et de collaboration entre eux, sans avoir trop de risques d'explosion et de violence, c'est vraiment un putain d'outil. Bah donc ça c'est une demande publique. La loutre, si tu m'entends, s'il te plaît, file-moi le droit de faire ça. Non, je sais pas, j'ai peut-être y penser sérieusement pour septembre, parce qu'il faut que je me crée un statut, hein, parce que là je suis statut boulet de ta femme, c'est pas ouf. Et puis voilà. Mais ouais, donc du coup, enfin voilà. Incroyable détective de monstres sur le glissement. Mais que vais-je devenir? Ça me semblait très très. Voilà, le jeu, je me voyais bien aller voir un directeur d'école pour dire voilà. Le jeu de rôle, ça apporte ça, hein. C'est-à-dire effectivement, ça apporte une capacité sociale de résoudre des problèmes par la collaboration et non l'opposition, par une accroche ludique qui emmerde moins les gamins, parce que les jeux de société collaboratifs, eh ben, ça fait chier les gosses. Pas tous, mais bon, voilà, il y a un taux d'échec d'accroche qui est très élevé, quoi. Alors que bah ouais, par le jeu de rôle, tu vas avoir une accroche quand même. Bah, il y a des gamins qui aimeront pas, hein, comme il y a des gamins qui aiment pas le foot. Mais voilà, ça permet vraiment de. De toute façon, vous êtes des rôlistes, je ne veux pas vous baratiner sur quoi ça permet le jeu de rôle, quoi. Voilà. Mais c'est bien la population plus globale et certains trucs pédagogiques ou ressources humaines commencent à se rendre compte de qu'est-ce qu'on peut amener socialement au groupe humain. Et ouais, je trouve que la collection Détective de monstres, elle est parfaite pour les gamins, quoi. Enfin, c'est le truc que tu peux faire péter en scolaire parce que. C'est ultra safe pour le gosse, ça reste une expérience qui va accrocher le gamin, ça reste qu'il affronte de l'opposition
sans être de quelque chose, voilà, qu'il n'y aura pas de risque thématique ou de plainte parentale, parce que c'est, voilà, c'est mesuré, c'est adapté aux gosses, donc vraiment du très étonnamment très très bon. Voilà, donc bon, j'arrête de vous baratiner à la fois sur mes projets futurs, de ça, et puis sur, voilà, la collection Détective de Monstres, et surtout Incroyable Détective de Monstres, qui est actuellement en financement à 34,90. Moi, j'ai, voilà, c'est pareil, hein, j'y gagne rien à faire sa pub, sauf peut-être que j'aurais le droit de l'utiliser professionnellement. Je suis une merde. Mais ouais, non, voilà. Moi, très convaincu sur les qualités du jeu. J'arrête de vous baratiner. Allez voir vous-même l'extrait, en fait. Si ça vous titille, vous regardez l'extrait, vous savez si c'est pour vous ou pas. Bien mieux qu'un baratin de youtubeur. Il n'y a pas mieux. Voilà. Bon, au niveau des baratins de youtubeurs, j'étais une merde sur mon programme de la semaine. T'as même, dimanche dernier, je savais que j'allais être une merde. Je me suis fait un programme soft avec. Les deux mythes fondateurs de Ravenloft, c'est-à-dire la première campagne, I6 de mémoire, je dis peut-être de la merde, puis I10 ou I11, en fait, quand tu reviens et que tu fais, oh, mais en fait, est-ce que j'ai pas rêvé la mort de Strahd, machin. Donc, c'est fait aussi par ceux qui avaient fait Lance Dragon, qu'on fait hein, la première aventure Hitman, Tracy Hitman, j'ai dit peut-être de la merde, j'ai pas révisé mes classiques là. Enfin bon, de toute façon, j'ai complètement merdé parce que cette semaine, en jeu de rôle, j'ai eu très très peu de temps, à part notre partie de Genshin Dark Master. J'ai fini des plafonds de salle de bain, j'ai eu des gros problèmes, soucis mécanico-techniques, j'ai perdu 2 jours et demi à chercher une pièce de bagnole, sa mère là, putain là, comme j'en ai chié, quoi. Appeler casse après casse, machin, enfin, c'était une vraie galère. Puis, du coup, Mortiel m'a réglé ça en 15-20 minutes, elle a pu se frangin qu'un garagiste. Elle a eu des sites de recherche pro, machin. Enfin, bah, putain, elle est forte, quoi. Elle est forte. Ah, je suis impressionné. Moi, j'ai pris le bottin, j'ai appris casse après casse en faisant de plus en plus en plus en plus en plus en plus loin. Et ouais, j'en étais à plus de 120 bornes. Et elle m'a trouvé un truc à 170 bornes. Donc, vu que le rayon, ouais, je pense que j'aurais encore passé un temps pas possible. Enfin, bon, voilà, ma femme est forte. Ma femme est forte en recherche. Et puis voilà, sinon, on a fait du flicage aussi. Parce que j'ai une nouvelle poule, et puis alors, c'est garde, j'ai une rouquette qui est ultra agressive avec toutes les étrangères au poulailler. Et les combats de coq, c'est impressionnant, mais les combats de poule aussi, hein, pour ceux qui ne le savent pas, ça peut s'entretuer des poules. En fait, mais vraiment, hein, une poule, elle peut en tuer une autre parce qu'elle décide que non, t'as rien à foutre sur mon territoire. Donc, ouais, police à poule, c'était passionnant, passionnant. Et ça, ça veut dire, par exemple, à 6h30 ce matin, moi, je faisais police à poule. À m'interposer entre deux poules qui voulaient s'exploser la gueule, à sauter dessus. Alors, raconter comme ça, là, ça fait anecdote de blaireau. Mais voilà, les petits ergots de poules qui sautent dessus. Ouais, j'en menais moins large, quoi, mais bon. J'ai creusé aussi une mare au canard de 3 mètres sur 2, 50 cm de fond, avec les couches isolantes, machin, enfin, un vrai truc de biotiste, mec. J'ai quand même craqué à aller acheter des. Bon, comme vos trucs de piscine, hein, pour ceux qui ont des piscines, voilà, c'est des matériaux exprès que t'enterres qui vont te permettre de, ouais, d'augmenter la. L'int putain, je peux parler. Hein. Enfin, le fait d'être l'étanchéité, voilà, de votre mare à canard. Mais ça reste le bordel. Mes canards, en fait, ils aiment bien leur nouveau coin. Mais du coup, ils sont assez petits pour passer entre les limites des filets. Et les canards, en fait, c'est ultra territoriaux. Hein. Le filet des canards, c'est pour empêcher des intrus à aller les faire chier. Mais le canard, à partir du moment où il a décidé c'est où sa zone, il est ultra fidèle. Par exemple, cette semaine, ils avaient décidé que le soir, parce que les poules étaient gées comme des bâtardes, donc le premier soir, on a fait dormir les canards. Du coup, on a dû faire ça en urgence. Ils n'avaient pas encore su le canardier. On les a fait dormir dans la cage du chien dans la maison. Ils ont kiffé. Et donc, du coup, bah, toute la semaine, on a eu des canards qui, à 7 heures, se fuguaient du poulailler pour venir devant. Et j'avais mes trois petits canards là qui quinquaillaient, hein, quinquaillaient, devant ma porte pour aller eux-mêmes dans le truc à chien. Donc, c'était cool. Mais du coup, quand j'ai monté le canardier, ils n'en avaient rien à foutre. Il a fallu 3 jours de bagarre pour qu'ils décident d'abandonner l'idée de venir dormir dans la maison, dans la niche du chien. Donc, du coup, en fait, là, j'ai des canards qui fuguent le soir parce qu'ils veulent rentrer dans la maison. Mais que du coup, hop, ils ont leur truc à canard que bon, quand même, ils aiment moins bien. Qu'ils prennent leur petit bain dans leur espace canard où je leur ai fait ce putain de mare. Mais qui en journée, finalement, fuguent et puis vont avec les poules dans les rosiers, dans le truc des poules qui sont derrière la serre. C'est la merde, c'est la merde. Ils me rendent fou, quoi. Enfin, bon, voilà. Mais ils sont mignons comme tout, mais ils sont casse-couilles.
Et puis ouais, enfin bon, sinon. Ouais, sinon je me suis simplifié aussi la vie parce que j'étais méga stress, qu'il y avait plein de chantiers que je devais super avancer, parce que je voulais attaquer le toit cet été. Mais en fait, voilà, vu mes compétences et l'ampleur de la tâche, on a fait réunion couple avec Morty, on s'est dit que si c'était le coup et que je commence le machin et qu'on se retrouve avec un mec dépassé, bricoleur du dimanche, un toit à moitié ouvert, et on s'est dit, ah, c'est peut-être pas réaliste. Donc soit on le met l'année prochaine, soit voilà, qu'on a des entrées d'argent pour héritage. Ouais. Je ne souhaite pas la mort de nos aînés. Hein. Enfin, on s'en fout. Morty devrait avoir des entrées d'argent d'ici 2-3 ans, mais du type grosse, quoi, voilà. Du type part d'immeuble. Donc ouais, elle a dit non, mais t'arrêtes de faire n'importe. On va se retrouver avec un Benoît qui démonte la moitié du toit. Et qu'on est obligé de faire venir des gens en urgence, qu'elle devrait débloquer des gros fonds de sa mère, machin, qu'elle n'a pas le droit d'y toucher pour l'instant. Enfin, des trucs légaux d'héritage, voilà, compliqué, que ça ne me regarde pas, qu'elle ne peut pas toucher avant 2017. Enfin, on s'en fout, putain, on s'en fout. Enfin, bon, tout ça pour dire qu'elle, hop, elle a mis ça sur les ressources futures, puis elle a dit non, tu ne fais pas, on va se con. Enfin, on a dit, ouais, voilà. Je suis pas assez bon en fait pour refaire mon toit tout seul, c'est un vrai truc de pro. Moi, je veux juste monter sur le toit pour ajuster mes tuiles. Et puis, vu que c'est du vieux toit, j'ai de la mousse qui fait bouger les tuiles. Donc, je vais prendre les tuiles une par une cet été pour bien toutes les en nettoyer puis bien réajuster. Parce qu'une semaine de boulot, hein, parce que je vais le faire comme un gros taré qui arrête pas de s'attacher. C'est j'ai le vertige. Donc, ça, ouais, c'est pareil. Petit élément important, refaire son toit quand t'as ton vertige. Tu aimes te tirer des balles dans le pied. Voilà. Puis je vais me concentrer sur des trucs plus simples qui sont à mon niveau. Quand je refais de l'XP, peut-être que je verrai, mais là, pour l'instant, c'est la mienne. Voilà. Donc, c'est aussi pour ça que je devais peut-être souffler à peine plus. J'ai toujours autant de trucs à faire. Mais voilà, la tâche des trucs immenses qui me faisait méga stresser, là. Voilà. C'est bien de faire soi-même, mais c'est bien aussi de faire ce que tu arrives à faire. Et donc là, je pense que le toit, c'est au-delà de mes compétences. Et que vous allez juste avoir un vieux geek qui s'explose la gueule ou qui crée lui-même un trou dans le toit de sa maison et qui est dépassé. Donc voilà, il faut savoir reconnaître ses limites et je reconnais mes limites. Ça, c'est trop compliqué pour moi, c'est la merde. Voilà. Et puis sinon, ouais, si, plein de petits trucs rigolos, on s'en fout. Ouais. Mon maquettiste qui est venu me tirer les oreilles parce que je ne mettais pas de deadline, parce que du coup, il n'arrivait pas à se motiver pour avancer. Donc voilà. Ça m'a fait rire. Bisous à toi, Cédric. Mais du coup, ça va nous permettre d'embrayer sur Against the Dark Master, que justement Cédric a joué avec moi en distanciel quand il déteste ça. Mais voilà, Cédric, c'est mon mec qui dit ce qu'il aime bien. Qui a un très bon niveau de tolérance. C'est un peu l'inverse, lui, Shadowrun 5, c'est bon, c'est des règles, voilà, c'est bien. Against the Dark Master, c'est des règles que, voilà, il n'y a pas de souci. Et il m'a vu paniquer pendant 15 jours à m'énerver sur les tableaux. Enfin, comment ça? Against the Dark Master, pour ceux qui ont réussi à passer à côté, c'est JRTM un peu dépoussiéré qui ressort. Et puis voilà, donc, tous ceux qui ont kiffé Jerotome, ils sont fin heureux. Les gens qui aiment les règles plutôt simples, fluides comme moi, c'était aride à lire. Enfin voilà, je trouve que la réédition de chez Leto a des points très positifs. Mais à lire, c'était chiant parce que voilà, c'est beaucoup de tables. Et que même ce qui va être didactique est très bien après, ben, comme première approche, c'est chiant à lire. En plus, j'avais un PDF, ce qui fait que c'est un livre. Enfin, ouais, vraiment, genre d'ouvrage jeu de rôle, c'est mieux de l'avoir en papier, parce que tu n'arrêtes pas justement de circuler d'une table à l'autre. Il y a beaucoup de tables. Donc, sous PDF, à chaque fois, j'étais obligé d'aller revoir à quelle page c'est, machin, retaper. Enfin, c'était casse-burne, quoi. Alors que bon, tu as ton petit marque-page, beaucoup plus rapide, plus agréable. Et puis voilà, puis des règles pas pour moi, voilà. Donc des règles qui sont bien faites dans leur optique, donc qui se prennent quand même un petit coup de vieux, hein, c'est pas un système, voilà, c'est pas un système très très jeune, ça sent le système d'autrefois. C'est vrai qu'il a été un peu déboussiéré, mais il n'a pas été méga modernisé, ce qui à mon avis est un bon choix, parce que bah, en fait tous les fans de JRTM à l'ancienne, voilà, un retour, mais qui aurait complètement trahi le matériel source d'origine, ça aurait été, enfin ça aurait été une trahison. Et là, en l'occurrence, voilà, on a réussi à démoussiérer, enlever ce qui était le plus lourdingue, tout en gardant vraiment l'esprit du RTM à l'ancienne. Donc, c'est plutôt un très beau travail de dépoussiérage. C'est pas un travail énorme de modernisation, ce qui aurait été une faute de goût, hein, je pense vraiment. Mais c'est un travail de dépoussiérage où on enlève les trucs les plus lourdingues. Après, tu restes sur JRTM, c'est-à-dire beaucoup, beaucoup de tables. Il y a des gens qui vont dire c'est simple, JRTM. C'est pas faux. Hein. Exemple de combat. T'as ta compétence, tu balances un dé de 100,
Sur les résultats extrêmes, tu peux rebalancer le dé de 100 puis l'additionner, ou tu peux rebalancer le dé de 100 et soustraire. Tu as ton Globibulga de fin, tu enlèves la défense de l'adversaire. Donc, par exemple, j'ai mal construit mon perso, j'ai 20 en dague, j'attaque, je lance, je fais 40, c'est pas ouf. J'arrive à 60, j'ôte la défense de mon ours qui est à 60, je suis à 0. Voilà, les problèmes commencent. Échec critique, 5 ou moins. Et puis voilà. Et puis ça marche pareil, les compétences, en fait, tu les compares à un tableau, qu'en fait juste des seuils. Elles auraient pu simplifier la vie en disant c'est des seuils. Voilà. Parce que c'est des seuils, c'est un tableau. Hein. Le tableau des compétences, c'est un tableau inutile qui s'appelle des seuils, en fait. Voilà, tout simplement. Sur les armes, c'est beaucoup plus. Enfin, le tableau des combats est beaucoup plus nuancé, parce que les types d'armes, contondants, perforants, mains nues, attaques de bêtes, vont avoir leur tableau à eux, plus leur tableau de critique à eux. Et là, du coup, c'est plus par gros blocs où ça marche des seuils. En fait, c'est par à l'intérieur des gros blocs de seuils, tu vas avoir des trucs beaucoup plus nuancés qui vont dire directement les points de vie que va perdre l'adversaire. Voilà. Ou si tu as un type d'effet de critique, c'est pareil. Dans ce tableau de combat, en fait, l'armure, c'est pas une défense qui va faire que tu soustrais des points de vie que tu perds. En fait, elle a une colonne. En fonction de l'armure que t'as ta colonne. Voilà. Donc, par exemple, on va dire j'attaque à l'épée, je vais dans les armes tranchants, je regarde le résultat, oh, j'ai fait 75, hop, je lis la pignée de 75. Et si l'autre, il n'a pas d'armure, s'il a une armure légère, s'il a une armure lourde, et ben j'ai voilà, j'ai une intersection rien que pour moi. Où il va avoir, hop, bah, on va dire que c'est un exemple où c'est marqué critique, bah, je sais qu'il faut que j'aille dans le tableau des critiques. Tiens, ouais, les petites croix des trucs que je ne dois pas oublier de faire aujourd'hui. Pour l'administratif, casse-couille. Et donc dans ce tableau, hop, je vais dans mes critiques, en sachant que je vais avoir une critique sans bonus, une critique mieux avec bonus, une critique très très bien où j'ai encore une plus gros bonus. Enfin, il y a quatre niveaux de bonus au tableau des critiques, qui débloquent d'ailleurs des niveaux de critique maximales où tu peux aller. Voilà. Donc c'est pas très très léger. Surtout ce qui fait qu'au niveau du. Là où je trouve que c'est à l'ancienne, au niveau du combat, il n'y a pas des masses d'options. Voilà, même il existe quelques options, mais et généralement c'est voilà, c'est ton tour, mais en fait tu jettes ton dé. Donc par exemple, Enjeu qui est complètement fan, hein, la chaîne YouTube Enjeu qui a fêté ses 1000 abonnés, félicitations à toi, qui est complètement fan de JRTM, ça c'est un jeu, on va pas être d'accord. Il n'y a pas de vidéo et des décors, c'est un jeu, on va pas être d'accord. Lui c'est son système préféré, et trouve que le combat il est très bien, parce que justement grâce au tableau des résultats critiques, tu peux avoir des trucs très étonnants. C'est vrai, mais voilà. C'est pas non plus giga méga étonnant, hein. T'as d'autres jeux qui ont des trucs beaucoup plus simples et rapides pour avoir des trucs étonnants, tout simplement. Après, bah, comment dire, à la lecture, j'avais une grosse sensation de mammouth, mais en fait, bah, Gains and Arms Master, ça a d'intérêt à l'usage. Voilà, tout simplement, parce que bon, on a quand même bien rigolé, on est parti à 4 joueurs, bon, on en aura 3 pour la prochaine séance, parce qu'il y en a un qui a vraiment pas accroché, mais sinon, bah, pour le reste du groupe, bah, en fait, notre première partie, c'était un immense tuto. Où on s'est bien tous mis d'accord de comment que ça marchait le système, machin, enfin comme une première partie d'un jeu de rôle avec des grosses mécaniques, tout simplement. Et il y a beaucoup d'aides pour le MJ, et c'est là que je trouve que le jeu commence à prendre ses lettres de noblesse, c'est que ça semble être qu'un système de règles. Sauf que dans ton système de règles, tu as aussi ton grimoire, enfin le voilà, l'immense bouquin de 500 pages, tu as ton grimoire, tu as une grosse campagne, enfin un truc que d'autres éditeurs, ils ont appelé ça la méga campagne, machin. Qui est trois scénars qui sont bien ficelés, qui sont bien faits, pour un petit côté, voilà, il réinvente pas l'eau chaude, mais on en vient justement, il y a un côté old school, et c'est un old school bah, justement bien traité, à défaut d'être méga giga original, il a le défaut d'être extrêmement bien fait, et il est exemplaire hein, au sens de, c'est quoi un bac à sable donné au MJ, avec des aventures préfaites pour animer ce bac à sable. Et une campagne en trois scénarios différents, mais qui arrive à faire un bon lien et faire une vraie bonne campagne. Ta campagne, c'est pas on va au village, il se passe trois aventures qui n'ont rien à voir. Voilà, ça c'est juste l'impression de surface. Mais en fait, tout il est lié, et le tout dans un bac à sable bien écrit où c'est crunchy. Voilà, t'as des gros morceaux. Les PNJ sont pas décrits en quatre lignes. Voilà, c'est vraiment, t'as de quoi faire. C'est vraiment bien fait. Donc, du très bon scénar. Même si bah, il a un côté très classique, mais par rapport à la proposition de jeu et par rapport au jeu en lui-même, bah, en fait c'est très bien d'avoir du un bon. Enfin voilà, c'est du classique mais très bien fait. T'as tout en fait dans ton livre de base, hein, t'as ton bestiaire, t'as ton grimoire, t'as toutes tes règles,
T'as une création de perso bon, qui est longue. Hein. À notre première soirée, en fait, de Guns N' Roses Masters, c'était juste les joueurs créer leur perso. Et spoiler, la première séance de création de perso, à la fin, y a que Cédric, en fait, qui s'était tout bouffé, les règles, machin, qui crée un truc opti fonctionnel et qui, à la fin du premier scénar, a pas fait est-ce qu'on peut rebidouiller nos persos en respectant les règles, hein, mais pour rendre des trucs plus, voilà, plus fonctionnels. Voilà, tes joueurs, généralement, leur première créa de perso, c'est une créa test, puis après, ils font vraiment un perso en ayant bien compris comment que ça fonctionnait le système. Voilà, tout simplement. Donc, ça, on a fait créa de perso, partie test pour bien se rendre compte, on en est là à mes joueurs qui, mardi prochain, vont arriver avec leur perso retravaillé plus bien comme ils veulent pour commencer le vrai scénario. Parce que, bah, justement, ça, le scénario du bouquin se passe dans un village. Vu que j'avais parfaitement conscience que bah, tout le problème, là, on allait se le manger, j'ai fait juste le voyage. Et justement, bah, là, Against the Dark Master, encore un côté bien fait, au sens, certes, c'est des tables, mais tu as plein d'outils pour faire que, voilà, en 3 jets, tu as ton scénar pour aller de A à B, où il va se passer des choses. Voilà. Tu as tes malus intempéries, tes règles pour crever de faim, tu as plein de choses qui sont couvertes. Donc, c'est un jeu très, très complet. Honnêtement, c'est pas un jeu. Voilà, moi, on va faire le vrai scénar, on va respecter les règles, parce que comme ça, voilà, je vais faire une expérience de jeu à mes joueurs que c'est vraiment Against the Dark Master. C'est pas un jeu pour moi. Je valorise les jeux système souple, rapide, machin, donc oui. Oh, vieux geek, il est pas fan de Against the Dark Master, mais c'est tellement pas un jeu pour moi. Il a fallu que je le lise et le re-relise. Voilà. Et en plus, il n'y avait pas le background pour m'aider. Par contre, bah. Malgré tout, il y a des très très bonnes surprises, donc un très très bon scénar. J'avoue, en fait, à la fin de la lecture du bouquin, où j'en avais bien chié, c'est la lecture du scénar, je me suis dit, merde, non, on va le jouer, ça. Faut le jouer. Parce que ça me pouvait dire, mais c'est pas même, c'est un retour sur Against the Dark Master. Puis, bah, c'est très très bien fait, voilà. Le côté aussi, la boîte à outils pour le MJ. Alors, on a souvent des jeux, pour pas citer la cinquième, où le côté boîte à outils pour MJ, c'est pas que ça pue la merde, mais c'est pas ouf. Voilà, c'est pas ouf. Si t'as un vieux MJ, tu vas te dire, ouais, c'est bien, à des pages qui vont m'être inutiles. Tout le côté boîte au MJ pour Against the Dark Master ne sert absolument pas à rien. C'est très bon, en fait. T'as pas le background, t'as tous les outils de création du background. Et ça, c'est bien. Voilà. Donc, Against the Dark Master. Je ferai. Bah, j'ai vu hein, qu'il y a pas mal de critiques partout qui datent avec tout le monde. Oh, qu'il est bien. Qu'il est bien si t'aimes les règles quand même avec plein de tableaux. Hein. Genre, voilà, si comme moi tu te situes dans le spectre règles légères et puis c'est pas forcément ta came. Après, pour un truc avec des règles développées, machin, et puis pas de tableau de ref, ça tourne, c'est bien fait, voilà, c'est fonctionnel. Faut que les joueurs aient assez bien conscience voilà, du système, sinon ça va alourdir les parties. Tu peux pas avoir de joueurs qui. Auquel tu as besoin de réexpliquer à chaque fois comment ça marche, parce qu'au bout d'un moment c'est relou. Et puis voilà, puis, donc, oui, c'est fonctionnel. Bon, le combat c'est aussi ma faute, mais enfin, le côté faute aux joueurs c'est que leur perso était pas assez bien fait. Et puis moi je leur ai mis un truc un petit peu trop gros en face. Mais du coup, on a littéralement fait un combat d'une heure où à la fin, hein, au bout d'une heure, c'était toujours pas fini. Alors, je fais, oh, le monstre s'enfuit. Parce qu'il y en a plein le cul de jeter des dés au bout d'une heure pour savoir qui tape. Et puis ouais, c'est à ce côté-là, jeu à l'ancienne, bon, bah, quand c'est ton tour de jeu, ouais, tu jettes. Si t'as mal créé ton perso, enfin notre combat d'une heure, hein, ça a duré. Ils sont trois, ils jettent, ils ratent, ils jettent, ils ratent, ils jettent, ils ratent. On arrive au nain. Le nain qui avait été justement bien créé, il tape, il fait mal. Ouais, on va recommencer. Ça rate, ça rate, ça rate, ça rate. Oh, l'autre il fait mal. Ça rate. Donc voilà, c'est pas un jeu où tu vas avoir 20. Enfin, où t'as 10 pages sur les manœuvres de combat, truc plus, machin. C'est assez léger, quoi. Voilà. Ah oui, il y a toujours une petite surprise quand t'arrives sur la table des critiques qui peut être rigolo. Mais voilà, faut entrer dedans. Enfin, un jeu qui. Comment dire? À la lecture, ça m'a semblé être un gros mammouth puant. À la pratique, je dois bien reconnaître que les règles tournent et qu'effectivement, après une bonne séance de souffrance, on a assimilé le système et qu'effectivement, je veux dire, au bout de quelques parties de jeu, bah voilà, tous les joueurs ils sont bien au courant de leur tableau d'armes, de machin, ça doit tourner. Voilà. On n'est pas sur les systèmes tendance moderne, ultra fluide, assimilables très rapidement. Mais voilà, JRTM. Bien repoli, ça a plutôt bien vieilli, et même si on peut garder un petit peu la légende, je retemeux,
Voilà, c'est un jeu avec 15 millions de tableaux, dont certains qui on se dirait qu'est-ce qu'ils foutent là. Sur Otemo, on aime se compliquer la vie. Et ben, ça tourne à l'usage. Voilà, ça tourne, ça tourne. Je pense même pour des gens qui ont un niveau de tolérance moyen à la règle, vous pouvez l'assimiler. Hein. C'est plus simple que du vieux ADD. Voilà, c'est quand même plus simple que du vieux ADD. C'est chiant, les rêves de tableau, de tableau, de tableau. Mais c'est vrai qu'il y a un gros moteur simple. Il n'y a pas 15 millions. Comment dire? On a une base qui est moins digeste qu'un vieil ADD ou qu'un DD moderne. Mais en fait, on arrive sur une multitude d'applications que cette base, que ce soit pour la magie, pour les compétences, pour le combat, qui fait que quand tu as bien saisi le truc, bah, c'est le même truc qui se répète. Puis qu'au final, voilà, tu as ton petit moment d'apprentissage qui est casse-pied et douloureux. Et puis après, bon, en fait, c'est un jeu qui se maîtrise bien. Donc voilà. Donc je ne vais pas faire mon mea culpa non plus à aimer JRTM. Faut pas, voilà, on va arrêter la déconne. Il y a trop de tables pour moi. Mais même un gros allergique au gros système que moi a réussi voilà, à masteriser, voilà, c'est pas la fin du monde. Ça s'assimile. Vous aurez une séance didactique où vous allez tous un petit peu vous rappeler qu'un soir, vous dire ah oui, merde, on a oublié telle page, machin. Puis à la fin de la séance, vous saurez jouer à Against the Dark Master. C'est pas la fin du monde. Et les points forts de Against the Dark Master, au final, c'est pas du tout ce côté oh, on a ressuscité le système JRTM. C'est qu'en termes de boîte à outils pour MJ, on a du très très bon. C'est un livre qui est parfaitement complet. T'as tout dedans, voilà. Même s'il y aura peut-être des sorties létaux, ça j'en sais rien. Mais en tout cas, t'as tout dedans et t'as ta première grosse aventure qui te montre bien comment. Sauron, j'ai pas eu les droits, il fait pour corrompre les gens. Ouais, voilà, c'est un très bel exemple de bonnes ressorties où ils ont resté fidèles à c'était quoi avant Je Retemeu, tout en amenant beaucoup pour le MJ et avec des gros bons morceaux. La création de perso est très didactique, très bien faite, machin, enfin voilà. Avec pas mal d'étapes, bon, après, c'est ça, hein, si tu vas passer ta soirée à créer ton perso. Ta première séance, c'est la création de perso. C'est de la grosse création de perso. C'est pas fait en une heure. Ou alors, faut bien, bien, bien connaître le truc, hein, puis savoir ce que tu veux à l'avance. Mais sinon, oui. Enfin, voilà, si à ma première lecture, j'ai trouvé ça très mammouth, ben en fait, ça tombe bien au niveau des règles. Et puis, je suis assez convaincu, quand même, en termes de boîte à outils, t'as tout pour créer ton univers. T'as pas d'univers donné dedans, mais t'as tout pour créer ton univers. Et c'est personnellement, c'est là où il m'a le plus plu. Ça, le scénar, mais vraiment une très bonne boîte à outils. Voilà. Le côté guide du maître de DD, qui est censé être une boîte à outils voilà, pour te permettre de créer tes délires d'univers, c'est de la merde à côté. Voilà. Against the Dark Master, en termes de d'outils de soutien d'aide au MJ, est largement au-dessus. Hein. Très largement au-dessus. D'ailleurs, c'est même pas pour dire DD, il a 2,5. Hein. Non, c'est enfin voilà, DD honorable dans son machin. Juste Against the Dark Master est très élevé à ce niveau-là. Il a un très très bon côté, tuto, machin. Je comprends qu'il y ait plein de gens qui kiffent la lecture. C'est pas du tout mon cas, hein. Je vais pas retourner ma veste. Mais la pratique m'a convaincu. Et à la lecture, le scénar, le côté complet du jeu et le côté boîte à outils pour le MJ étaient convaincants. Voilà. C'est juste, oui, c'est pas des règles pour moi. Donc, ouais. Against the Dark Master, oui, c'est une réussite. JRTM, oui, c'est pas que de la merde. Ça restera pas pour moi parce que c'est pas ma came. Après, ouais, voilà. Le taux a bien fait de le traduire. Je sais plus c'est qui, quelle boîte Ricaine a fait ça. Ils ont bien fait de le refaire. C'est une très belle Madeleine de Proust qui ressort et qui montre qu'elle a encore des choses à offrir. Peut-être ça le plus important, voilà. C'est pas ta VX de ton scénar de ton jeu de quand t'étais ado, t'étais content, puis tu vas te le remettre dans ton étagère, puis il va pas vivre. C'est un jeu qui remet JRTM en fait dans la cour des jeux qui sont jouables et agréables et qui voilà qui peuvent avoir leur audience de joueurs parce que oui effectivement c'est jouable. Je maintiens qu'il y a un premier scénario de voilà d'adaptation un petit peu d'apprentissage de tuto qui peut être utile pour non, plutôt un groupe léger hein. Mais voilà mon Cédric lui était rien qu'à la lecture il était à fond machin enfin, voilà. Des joueurs ou des MJ de Shadowrun vont être dedans comme du petit lait, pour eux ils vont rigoler de vos difficultés. C'est un peu tel cas notre table.
Mais voilà, c'est pas si compliqué que ça et c'est un livre très très complet. Putain, je pense que ça fait 20 minutes que je tourne en rond comme une merde. Donc voilà, je vais filer faire du travail. Mais retour de thèse de Game of the Dark Master, bah au final ça fait peur à la lecture pour certains, moi la lecture vraiment pas. Alors qu'il y a plein de gens qui ont surkiffé, hein, mais moi vraiment pas. Mais c'est du très bon jeu à l'usage. Voilà. Bon bah j'ai pas fait de plan pour Game of the Dark Master, donc je pense que j'ai tourné en rond, j'ai oublié de dire des trucs, mais voilà, il n'a pas volé sa réputation de jeu assez développé au niveau de la règle, mais au final, c'est de la règle qui est. C'est de la photocopie. Enfin, c'est des échos, c'est le même moteur qui va s'appliquer partout. Donc, une fois que tu as bien digéré ton moteur, après, tu as tout le temps tes tables, machin, c'est un jeu à table, ça. T'as même, ouais, je crois, le Leto, ils ont sorti un truc aide de jeu à 10 balles pour que tu aies toutes les tables du jeu sous la main. Pour une fois, peut-être un goodies intéressant. Je suis tout le temps à dire, ouais, les goodies, c'est bien si tu veux, mais là, ça peut être utile. Parce que sinon, il te faudra un écran de. Voilà. Oh, j'ai un écran de 10 mètres de long. J'ai toutes les tables. Donc, bon. Ça joue. Against the Dark Master. Même les allergiques aux règles lourdes ont réussi à le jouer avec les vraies règles. C'est jouable. Et puis surtout, c'est une immense boîte à outils de très haute qualité pour créer ton univers, créer ton seigneur des ténèbres. Enfin, voilà. C'est vraiment. Va créer ton univers. T'es dans une ambiance très marquée. Hein. C'est Tolkienien, on n'a pas eu les droits. Hein, soyons très clairs. Tu vas pas Kristat, tu fais pas Spelljammer ou je sais pas quoi avec. Hein. Mais pour créer du Medfan avec du parfum de Tolkien, et c'est du parfait, c'est du beau travail. Bon. Bravo aux éditeurs d'origine, aux auteurs d'origine. Merci à Leto de nous l'avoir sorti en français. Moi, je m'arrêterai au scénar de base, du livre de base, puisque on aura vécu, mais on a bien rigolé. Et puis les tableaux, ça permet aussi au MJ de faire des grosses crasses aux joueurs sans, voilà, sans être pour rien. Il y a plein de moments où le MJ devait tirer des dés pour déterminer un truc. Je le faisais tirer aux joueurs, fuck, et voilà, c'est votre responsabilité. Voilà, vous êtes foutu dans la merde. Il vous arrive des couilles. Mais ouais, un petit côté aussi à l'ancienne, un peu hardcore quelquefois. Hein. Le combat, il peut être long si personne n'arrive à se toucher. Il peut être très expéditif aussi si quelqu'un fait une très belle critique et boum, t'es mort. Voilà, les tableaux sont assez inspirants. Enfin, il y a vraiment du bon dans le jeu. Après, bon, c'est pas un jeu pour moi, quoi. Trop de tableaux, trop de règles. Mais je veux surtout pas rentrer dans le nez de tous ceux qui ont apprécié. C'est votre droit. Et dans son registre, jeu à plein de tableaux avec un moteur de règles. Voilà, c'est une bonne chose. Longue vie à Against the Dark Master. Voilà. Il ne fera pas retourner ma cutie. Mais je reconnais que dans sa catégorie, c'est voilà, c'est un très bon jeu pour sa catégorie. Voilà. Ciao les gens, on se voit bien.